Bonsoir tout le monde. Des moments merveilleux, les 14 artistes de Star Academy 2004 nous en ont fait vivre beaucoup. Ce soir, si vous le voulez bien, nous allons passer la soirée avec eux à nous remémorer leur belle aventure. Alors, on se retrouve à la Maison de Saint-Adèle en compagnie des 14 candidats quelques jours après la grande finale de Star Academy. Merci d'être tous là. Et je vais vous poser une première question, simple mais difficile. Votre plus beau moment, votre meilleur souvenir de cette belle aventure. Mais Guy, c'est quoi? Je sais pas si ça peut rentrer comme étant le meilleur moment de l'Académie, mais c'est le premier gala, le 15 février, quand on est arrivé, puis on s'est vu tout pour la première fois. Là. Ça, je pense que c'était un des plus beaux moments que je vais tout le temps me souvenir. Puis mon duo avec Éric Lapointe, celle-là. J'ai vraiment aimé ça, surtout que ça, on est vraiment des personnes totalement différentes avec des styles de voix différents. Puis c'est sûr que au début, la première fois que je l'ai vu, il m'a fait vraiment peur parce qu'on chantait. Il me regardait, là, puis il était vraiment intense, là, puis je m'attendais pas à ça du tout, fait que j'ai steppé un petit peu. Au show, là, j'ai trippé, puis c'était vraiment le fun. Puis on était vraiment dedans, puis on s'est pas lâché une seule fois. On s'est regardé, puis on était vraiment dans la chanson. L'amour, j'en veux plus. Regarde ce que je suis devenu. L'amour, j'y crois plus. Artistiquement, j'en reviens toujours à ça, mais le duo que j'ai fait avec Lara, c'était pour moi magique. Parce qu'on n'avait rien besoin d'autre que le piano, puis la voix, puis quelques chandelles, puis c'était fait. Parle, parle, dis-le-moi sans trembler, que t'en as plus rien à cirer. Parle, pleure et je comprendrai. Tu sais que je peux te entendre. Regarde, je prétendrai jusqu'à demain matin, là, le voyage à New York, la visite à l'hôpital Sainte-Justine, le... Les lèvres de Samantha Fox. Ah, c'est Marc-André, because he kissed you. Oh là là, can I have another one? Pour tout le Québec. Moi, ça a été plein de moments qu'on a passé dans des cours avec Denise, avec Geneviève. Moi, c'était mes cours préférés là, et quand on dansait. Puis c'était les moments où je réussissais à vraiment à oublier les caméras puis à ce qu'on se laisse aller. Puis aussi les rencontres avec les chanteurs. Là, je parle souvent de... La petite, une petite voix blanchite, elle me fait triper, elle est bonne. Comme un homme qui aime le bon monde, une deuxième fois dans la peau d'un char. Je me sens comme une fontaine après un long hiver, et j'en ai l'air. J'ai laissé ma fenêtre ouverte à sa pleine grandeur, et j'ai pas eu peur. Dans mon âme et tout dans ma tête, il y avait autrefois un autre que moi. Je ne fais plus l'amour de la même manière. Et je ne sens plus mon corps peser comme avant. Et pour le corps, je suis devenu un homme. Et pour le corps, je suis devenu un homme.
Non, c'est ça, ça a été... Ouais, c'est Brian Parent-Cohn. C'est parce que quand on a lu la première fois qu'il a vu Kevin... La deuxième fois qu'il a vu Kevin Parent, il l'a appelé Brian Parent. On a vraiment son cousin. Ah, son cousin, ça s'appelle Brian Parent. C'est tellement drôle. Parce qui a passé les auditions pour Star Academy? Brian Parent, 23 ans, nouvelle en Gaspésie. Oh, my man, oh, yeah, yeah. You gotta put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long. Non, mais Korn a aussi une manie de se tromper de nom quand il a appelé Roger Tabroche Georges. Il se termine la journée. Bonjour, Georges. Merci. Merci, Georges. C'est mon honneur ce soir. Bye. Merci, Roger. Bye. François, une autre question. On enchaîne. Sarajevo qui a été, fantastique. Écoute, la mise en scène et tout. J'ai reçu beaucoup de compliments, beaucoup de sur le fait qu'on était vraiment ensemble. C'était vraiment quelque chose de spécial. Moi, c'était le duo avec Dan Bigra, un homme avec une telle présence sur scène. Toute l'émotion m'a envahi. Tu sais, il est fort physiquement, mais émotivement, vraiment comme « wow ». Ça, il y avait Marjo. Marjo, elle est... Wow, sérieusement, j'étais comme... Moi, elle tenait plus sur place, puis j'étais genre, hein, Marjo. T'sais, pour quelqu'un qui a eu une carrière aussi immense, puis d'être encore aussi présente, puis de la passion qu'elle a pour ce qu'elle fait, ça m'a marqué, puis c'est un exemple pour moi. Le moment que j'ai eu, c'est quand on est arrivé par surprise en arrière-scène. Les autres académiciens étaient encore là, puis la bâche qui était sortie, on est arrivé par en arrière en douce.